Hi, hello, this is Mario from Geva Music. I'm product manager for Gretsch Drums in Europe. And we are here today at our presentation, what we call the Great Gretsch Day, drum comparison of the three American-made kits we have in the line. So the Brooklyn kit, Brooklyn series, the USA Custom series, and over there, the USA Broadcaster series. What I want to do is just give you details on the shell construction really quick. On the Brooklyn series, we have six ply shells made of maple, poplar, maple, 30 degree bearing edges, classic Gretsch, the 302 steel hoops, and of course, the classic Gretsch silver sealer inside the shells. So let's go on with the USA custom kit. Again, we have six plies, but maple, gum maple actually. Die cast hoops on this one. Again, 30 degree bearing edges and Gretsch silver sealer on the inside. And last but not least, it's the Broadcaster series, actually the remake kit of the original Broadcaster series from the 1950s. This one has three ply shells made of maple, poplar, maple, reverse roundover, 302 steel hoops, and the silver sealer inside the shell. Okay, so I hope you're gonna have some fun and enjoy the presentation.
Marc, bienvenue à Berlin pour ce week-end Gretsch. Beau week-end. Au célébrissime studio Funkhouse à Berlin. Et ben, on a la chance d'interviewer un intervieweur pour une fois. Mais première question, dans ce lieu qui est vraiment hallucinant, qu'est-ce qui t'a plus marqué ? Difficile parce qu'il y a tellement de choses que ça pourrait prendre une quinzaine de minutes à mon avis si je rentre dans les détails, mais bon, déjà quand on arrive de l'extérieur, on voit une espèce de bâtiment à moitié abandonné en partie, et puis ensuite des grands murs sans fenêtres en fait qu'abritent les studios, notamment la partie classique qui est énorme, donc il y a déjà tout l'aspect extérieur, et évidemment quand on rentre à l'intérieur, on est sur le cul. On a visité un peu, parce que Stéphane était un grand aventurier, tu m'as amené un peu partout. Bon, on voit des couloirs de 100 mètres, 120 mètres de long, on ne sait pas trop où ça donne, où ça va. Et puis il y a tous ces... Il y a plusieurs studios en fait dans les ailes qui sont... Alors on n'a pas pu rentrer, tout à l'heure je suis rentré dans un petit studio de travail qui est déjà grand. Là ici, l'endroit est magnifique. Donc c'est vraiment en fait... difficile de donner juste un point, on est vraiment étonné par la grandeur des locaux, enfin la taille immense des locaux avec des studios énormes, et puis une ambiance quoi, qui semble directement venir de l'Allemagne de l'Est. La guerre froide, c'est la guerre froide dans les murs. Ouais, tout à fait. Alors bien sûr, les trois vedettes du week-end sont trois kits US, on a choisi cet écrin justement particulier. Un kit Brooklyn, un kit USA Custom et un kit Broadcaster. Quels sont pour chacun de ces kits le point qui t'a le plus retenu? Bon, alors, on retrouve ce qu'on se disait tout à l'heure, une ADN commune quand même dans le son, qui est quand même un son vivant, un son Gretsch qui est vivant. Il y a pas mal d'harmoniques, on sent que c'est généreux, que le batteur, quand il frappe, il a de la réponse, hein. Il y a quelque chose qui chante sous les baguettes. Et puis ensuite, les caractéristiques vraiment différentes de chaque kit, il y a donc ce tronc commun. Par exemple, moi j'ai trouvé, hein. Ensuite chaque batteur qui regardera la vidéo du reportage pourra se faire son idée puisque tout a été enregistré. Par exemple, la USA Custom, j'ai trouvé précise. Avec un son bien centré, de la richesse en harmonique bien sûr, hein, c'est pas un son mort, loin de là, c'est vraiment un son vivant avec pas mal d'harmoniques, mais quand même centré, précis, donc certainement une arme ultime pour le studio. La Brooklyn un peu plus sauvage, avec des médiums graves qu'on voit un peu. Et puis la Broadcaster, il y a un charme... indéfinissable, évidemment, c'est peut-être pas le meilleur terme parce qu'il faut bien arriver à le définir, mais il y a un peu de gras, il y a de la chaleur, il y a vraiment une vintage flavor, comme diraient les Américains, qui est très séduisante, quoi. Donc, trois kits qui ont une base commune, mais chaque kit a son petit marqueur, en fait, qui va peut-être pouvoir séduire tel ou tel batteur selon... l'utilisation principale qu'il en fera, ou un studio qui voudrait s'équiper par exemple, irait peut-être plus vers une USA Custom rapidement, en se disant bon bah là on va pouvoir vraiment aller sur des sons plus précis et vraiment travailler ensuite, enfin voilà, mais bon, c'est du très beau dans tous les cas quoi. Bien, puis comme toutes les bonnes choses ont une fin, le week-end va bientôt se terminer, on va prendre l'avion. Si tu devais en prendre une dans ta valise, tu choisirais laquelle? Peut-être la petite Broadcaster. Il y avait une jazzette qui n'a pas été jouée ni enregistrée, mais la petite jazzette Broadcaster, là, qui est une petite œuvre d'art, c'est beau, quoi. On peut même la mettre dans son salon et se rincer l'œil dans la soirée quand on a envie d'avoir quelque chose de sympathique. Non, c'est vraiment... Il y a le côté vintage qui est vraiment très très séduisant, quoi. Merci Marc. Merci pour ce week-end.